Grossesse, alcool et tabac. Une femme enceinte sur 10 fume. 6% continuent à boire dans de grandes occasions. Eh ben dis donc, le tabagisme passif dans les bidons des mamans, c'est quand même assez important, hein. Là, selon une étude, 13% des femmes ont fumé pendant toute leur grossesse. Là, donc 13% fument pendant leur grossesse et 6% picolent occasionnellement. Donc, on va même pas parler de celles qui se font une petite ligne de coke pour se remonter le moral, hein. Vous savez, les hormones, vous savez ce que c'est. Eh ben dis donc. Tabagisme, plus de 10% des femmes françaises ont fumé pendant toute leur grossesse, selon une étude. Donc là, quand on a une étude qui sort, on a ce type d'article, Le Monde, 20 minutes, Midi Libre, Sud-Ouest, tiens, on va regarder un petit peu qui c'est qui a fait un article sur le sujet, BFM, Média 24, Ouest France, Yahoo, etc., etc., tout le monde, l'Union, tout le monde y va, de même la Suisse, Journée mondiale sur l'alcoolisation fœtale, Addiction Suisse appelle à soutenir les personnes concernées. Donc, on a moult articles sur le sujet. Donc, on va en prendre un à la louche. Et puis, on va regarder et voir un petit peu quels sont les constats. Grossesse, alcool et tabac. Une femme enceinte sur 10 fume. Eh ben, dis donc. 6% continue à picoler dans les grandes occasions. Eh ben, dis donc. Ah, je te jure. Non, mais, franchement. Après, on s'étonne d'avoir des tarés. Bon allez, on se met une petite intro et on lit un des articles. J'en choisis un allez, au hasard. On est chaud. Là, j'en prends un court, hein. Donc j'ai pris 20 minutes. Plus de la moitié des fumeuses françaises ont continué le tabac pendant leur grossesse. Bon, somme toute, après, il y a de moins en moins de fumeurs. Ah, mais bon. Ah, elles aiment prendre en bouche, les coquines. Dans son baromètre publié lundi, Santé publique France a interrogé 1302 mères. Alors, pourquoi pas 1300, mais 1302, je ne sais pas. Mères de jeunes enfants et 157 femmes enceintes sur leur consommation de tabac et d'alcool pendant leur grossesse. Bon, après... Je ne suis pas certain que ça soit véritablement une bonne représentation, puisqu'on ne nous précise pas là dans les informations. Est-ce qu'ils ont été les chercher un peu partout? Alors, s'ils ont pris que des gens d'Île-de-France, bon, ou d'un coin où c'est chomdu, alcool à gogo et compagnie, c'est, les études comme ça, moi, ça me laisse toujours songeur et pensif. Les autorités sanitaires, hein, moi tout de suite, on parle d'autorités sanitaires, je pense Covid, je pense, ah mon Dieu, c'est l'horreur, ne cesse de le répéter, fumer et consommer de l'alcool lors de sa grossesse est formellement déconseillé. Bah ouais, hein. Bah, tu m'étonnes. En cause notamment des risques de malformation du fœtus. Ah, t'imagines le fœtus? Iti, téléphone, maison! Ouais, bah oui. Et de troubles de l'apprentissage chez l'enfant. Si la plupart des femmes connaissent ces recommandations, les suivent-elles pour autant? Eh oui. Eh bah, moi, je sais que bouffer du gras... Hein, à s'en déformer le bide, c'est pas bien non plus. Et pourtant, hein, je me remplis, mais c'est pas mieux possible. En tout cas, c'est la question à laquelle Santé publique a voulu répondre dans son baromètre sur la consommation de tabac et d'alcool des femmes enceintes. L'institution a interrogé, je vous l'ai dit, 1300 momos et 157 femmes pleines. Eh ben dis donc. 13% des femmes ont fumé pendant toute leur grossesse. Eh ben, mon cochon. Parmi les mères de jeunes enfants interrogés, 24% fumaient lorsqu'elles ont appris leur grossesse. Bah, moi, je suis même pratiquement persuadé que certaines avaient la clope au bec pendant la conception. Eh oui, hein? Ah, mon Dieu, c'est pas beau, c'est pas propre, hein. Parmi elles, 45% ont déclaré avoir arrêté de fumer dès qu'elles ont appris qu'elles étaient enceintes ou au cours de leur grossesse. 51% ont déclaré avoir réduit la quantité de tabac fumé sans arrêter totalement et 4% n'ont ni arrêté ni réduit leur consommation. En tout, 13% des mères d'enfants de 5 ans ou moins ont donc déclaré avoir fumé pendant l'ensemble de leur grossesse.
Plus des deux tiers, 67%, déclarent que leur médecin et ou leur sage-femme les avaient informés des risques du tabagisme sur la grossesse et sur la santé de leur enfant. Parmi les 157 femmes enceintes, au moment de l'enquête, 18% ont déclaré fumer quotidiennement. Bah dis donc, tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. 93% des femmes déclarent avoir arrêté l'alcool pendant leur grossesse. Bah dis donc, déjà, hein, on imagine la mère, hein. Donc elle fume comme un pompier, elle picole comme un soudard russe. Franchement, bonjour. Après, on s'étonne pas. Est-ce que tu connais le père? Hein? Qui? Enceinte? Moi? Mais non! J'ai bouffé une pomme sans la mâcher. 93% des femmes déclarent avoir arrêté l'alcool pendant leur grossesse. Eh ben, dis donc, encore heureux. Parmi les mères d'enfants de 5 ans au moins, 93% déclaraient ne jamais avoir bu d'alcool dans leur dernière grossesse. Après avoir appris Est-ce que je ne l'ai pas déjà lu ou alors ça répète la même chose? Ah ouais, non, mais ça répète la même chose. Après avoir appris être enceinte et 6% uniquement pour les grandes occasions, moins de 1% déclaraient une consommation d'alcool supérieure à une fois par mois. Eh ben dis donc. Parmi les femmes enceintes au moment de l'enquête, 8% ont déclaré avoir consommé de l'alcool depuis qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes. Oh, une petite coupette, hein, c'est l'abus qui est gros. Oh, une petite coupette, ça va pas te flinguer le fœtus, hein, pas déconner non plus. Oh là 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 là. Un nombre probablement sous-évalué. Ces chiffres pourraient toutefois être sous-estimés. Sous-estimés, migre. Dinguerie. Les enquêtes étant déclaratives et non basées sur des prélèvements biologiques. Bon, en plus, ils devraient faire des prélèvements biologiques. Quoi, ils veulent arracher le fœtus pour vérifier si c'est pas un tabageur passif. Elles sont susceptibles de se heurter à un biais de désirabilité sociale et donc une sous-déclaration de la consommation. Ah bah c'est clair, quand t'es enceinte, tu vois même plus tes pieds et que t'as un tabac sur ton... T'as un cendrier sur ton bidon, hein. Genre j'imagine, la meuf elle est en train de mater, elle bouffe des bretzels, elle a sur le bidon son cendrier et elle est en train d'enchaîner les clopes, tu vois. Alors en plus, tu vois les bigoudis, etc. C'est très... je sais plus, j'avais vu des vieux films français où il y avait des personnages comme ça, quoi. Eh ben, dis donc. Donc, une enquête sur des prélèvements biologiques plus objectifs ont pu confirmer dans des études écossaises et espagnoles une telle sous-déclaration. Illustrant Santé publique France... Selon l'étude Opinion Web pour SAF, France publiée en septembre 2023, 27% des Françaises admettent consommer de l'alcool pendant leur grossesse. Bien loin des 7% donc. Dis donc. Ah non mais sérieusement, hein, c'est l'enthousiasme. Hein. Bon en tout cas, cette étude, ça fait le plaisir de la presse française puisque vous voyez, tout le monde en cause. Et puis si tout le monde en cause, pourquoi moi j'en aurais pas causé, hein? Parce que ça vous intéresse tout ça, non? Oui? Peut-être? Bon, allez. Ah mon Dieu. Un j'aime, un commentaire, etc. Vous connaissez l'histoire, hein. Ah!